C'est le moment de rejoindre le programme Aisance. Les inscriptions pour la promotion printemps 2023 sont actuellement ouvertes jusqu'au vendredi 10 mars à 18h, heure de Paris. Si tu veux t'inscrire, rien de plus simple. Tu te rends sur cette page, le lien est juste sous la description. Tu cliques ensuite sur la formule de ton choix, formule autonomie ou formule excellence. Une fois que tu auras choisi ta formule, donc par exemple la formule excellence, eh bien une page de validation de ton inscription va s'ouvrir et il suffira de choisir ton mode de paiement en une ou plusieurs fois. J'espère te rejoindre dans la promo printemps 2023 du programme Aisance et je te laisse avec la vidéo du jour. Maintenant, on me sollicite même quelquefois pour passer des appels. Que ce soit mes collègues, ils me disent « Bon, Sylviana, vu que tu t'exprimes bien, est-ce que tu peux appeler tel organisme pour moi ?» Donc, d'un côté, ça me fait chaud au cœur parce que je me suis dit « Ah oui, j'ai quand même fait des progrès, les autres en face le voient. » Wow. Et j'ai un peu plus d'assurance, j'hésite moins. Avant, j'avais vraiment peur. Imaginons, pour prendre un rendez-vous par téléphone, je ne le faisais pas. J'attendais 3-4 semaines avant de le faire ou j'essayais par tous les moyens d'aller sur Internet et de prendre rendez-vous en ligne. Doctolib. J'esquivais tout ce qui est oral, j'esquivais vraiment. Mais grâce à ça, grâce au cours d'expression, ça m'a permis de vraiment de développer et d'aller plus loin. Et je vois que maintenant, je peux avancer dans ma vie. Parce que mine de rien, l'oral, ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup et je suis très contente. Donc, avant l'atelier, tu partais avec dans quel état d'esprit, comment tu te sentais, quelles étaient tes difficultés? Avant l'atelier, j'étais dans l'improvisation totale. C'est-à-dire que, quelle que soit mon intervention orale, perso, professionnelle, je n'avais aucune structure. Vraiment, c'était des idées qui venaient... J'exprimais mes idées pas de manière aléatoire, mais vraiment sans structure. Ok. Ok. Et pour toi, donc, tu l'as déjà un peu dit, mais c'est quoi le principal apport de Déco en fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle? Parce que c'est surtout sur ça que tu as voulu travailler. Ça m'a permis d'apporter de la clarté à mes propos, à mes idées. Donc, le fait de les structurer, en effet, ça m'a apporté la clarté et de la précision et de la confiance. C'est-à-dire que je ne me pose plus de questions en parlant. Je parle, j'exprime mes idées tout simplement. Et le plus, notamment moi, que je voulais vraiment souligner et que j'aime mettre en avant, c'est le suivi personnalisé que Jennifer nous offre, parce que ce suivi personnalisé, il nous permet de mettre en place un plan d'action pour progresser rapidement en fonction de nos problématiques et des problématiques qu'on rencontre. Et c'est vraiment moi l'avantage que j'aime à souligner, parce qu'on n'est pas livré à nous-mêmes au sein de cette formation. Donc en soi, donc l'école d'expression, c'est vraiment pour moi un investissement dès lors, un investissement vraiment à faire qui en vaut le coup, dès lors où on est prêt à consentir à faire des efforts en termes de régularité et de discipline dans l'application des conseils que Jennifer nous prodigue au cours de cette formation. Alors n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à vous inscrire. Si moi j'arrive, tout le monde peut y arriver. L'expression n'est pas réservée seulement à des élites, ni à certaines catégories de la société. Bien s'exprimer, ça s'apprend. Je pense que l'école d'expression que Jennifer a mis en place est vraiment... est là pour vous. Donc, foncez. Voilà, Jennifer, je pense qu'elle peut vous révéler le secret de bien s'exprimer. Donc, voilà, n'hésitez pas, inscrivez-vous.
Elle est là, voilà, le cadre est là. Vous allez regarder, vous allez, ne faites pas comme, faites comme moi peut-être. Vous allez regarder des vidéos, des tutos sur YouTube, sur les réseaux, mais tout ça ne suffit pas. Il vous faut un cadre. Et le cadre est là, c'est l'école d'expression de Jennifer. Moi, ce qui me concerne, ce que je trouve dommage, c'est que l'algorithme de YouTube ne m'ait pas fait connaître avant Jennifer. Comme ça, j'aurais pris mes cours bien, bien avant et corrigé tous mes petits défauts que j'ai. Voilà. Donc, si comme moi, tu veux progresser. Si, comme moi, tu as quelques difficultés dans l'expression, dans la lecture, dans la rédaction, eh bien, suis cette formation parce qu'elle est puissante et innovante. Je te dis à très bientôt. Au revoir.